Alléluia. Alléluia. Donc nous les jeunes de la nouvelle alliance, je vous présente, c'est moi. Je suis Kevin Kamalenga. Donc nous les jeunes de la nouvelle alliance, nous allons présenter un théâtre sur le thème de comment l'église était au début et ce qu'elle est maintenant. Donc je vous présente la narratrice Myriam. À l'âge de 12 ans, le jeune Godefroy a déjà rencontré Jésus-Christ et ressent l'envie de le servir. Le voici avec ses camarades à la sortie de l'école. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Moi je veux être médecin et toi? Moi je sais pas encore et toi? Ngaï, la coco ma dessinatrice quoi! Et toi Godefroy, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Moi, je veux devenir pasteur. Est-ce que c'est un métier même? Est-ce que c'est un métier pasteur même? Bien sûr que c'est pas un métier. C'est... D'abord, le banane, ta paye, c'est combien? En tout cas, tu vas être combien? Ce n'est pas les biens matériels qui comptent, c'est la place au royaume des siècles. Et quand tu vas payer des loyers, tu auras l'argent. Tout ça, c'est Dieu. Et ta femme? Eh, boyo kaye. Pas ouais. En tout cas, c'est qui on On y va. Les années passèrent. Il partit en Belgique par ses études pastorales. C'est aussi là-bas qu'il fonda sa première église. Mais lorsque les épreuves arrivèrent, le pasteur décida de mettre de côté sa dolce pour se concentrer sur la recherche de sa délivrance au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Mais un jour, dans les rues de Damarie, Dieu le rappelle dans son chant. Pasteur, aide-moi! Pasteur, aide-moi! Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Je vais mourir! Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Papa, il faut que tu m'aides! Mon frère, il y a je quoi? Je ne vois plus la beauté de mes enfants! Ma femme, je ne la vois plus! Écoute-moi. L'alcool m'a pris! Les chutes m'a pris! Reste calme, écoute-moi! Moi, j'ai pas la force de te sauver. C'est Dieu celle qui peut te sauver. Mais pense à moi ce que t'as à faire. Mais moi, je vais te sauver. Allons-y avec moi. Dieu va te sauver. Il va me sauver. Cet homme en détresse, c'était le Baba Kamalenga. Cette rencontre fut pour le pasteur un signe de Dieu supplémentaire pour reprendre son ministère. Ainsi, il fonda une cellule de prière dans sa résidence personnelle. Après des prières, le Baba Kamalenga se convertit et devint un soutien pour le pasteur. Le voilà en train d'évangéliser ses amis. Oh, moi c'est un maison americano! Moi c'est un americano! Viens ou quoi? Oh, c'est fini tout ça, c'est fini americano! Chapsola! Non, c'est fini tout ça, oh, c'est fini. Cigarette, c'est fini, je renonce au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Moi, j'ai changé maintenant. Tu vois, comme tu me vois maintenant là. Non, je suis devenu un autre homme. Americano, américain, c'est qui americano. C'est plus ça, c'est fini tout ça. Moi, c'est Papa Kamalenga. Écoutez, mes frères. Vous êtes mes amis. Franchement, je sais que vous avez des problèmes, comme vous êtes là. Moi, je vous dis, venez, je vais aller à l'église moi-même, même si c'est une église dans un appartement, venez, on y va, et vous allez voir que vos problèmes vont être réglés. Tiens, la cigarette, Amen. Moi je vois pas la joie. S'il y a la joie, il faut acclamer pour vous. Amen.
Il commence à bien le voisin. Bon, aujourd'hui, Dieu est tellement grand que Dieu fasse beaucoup de miracles dans notre vie. Dieu a dit dans Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Amen. Tellement que notre Dieu est grand, il a fait des miracles dans la vie de notre frère. Amen. Notre frère, il était alcoolique et Dieu l'a aidé. Maintenant, il sert Dieu avec son cœur. Dieu a changé sa vie. Maintenant, il est devenu chrétien. Notre Dieu est aussi tellement grand. Il a fait des miracles dans ma vie. J'avais la maladie des cancers et Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, j'ai ma peau. Elle est bien. Amen. Dieu a fait. Je vais demander à tous qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, de venir devant, on va prier ensemble. Jésus. Mettez-vous à genoux, on va prier. Non. Suivez-moi à travers ces prières. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et voici devant ta face. Et voici devant ta face. Je viens avec toutes mes charges. Je viens avec toutes mes charges. Aide-moi à me débarrasser de ça. Aide-moi à me débarrasser de ça. Et garde-moi à ta demeure. Et garde-moi à ta demeure. En notre Jésus, amen. En notre Jésus, amen. Notre prière est à la fin. Maintenant, on va appeler la sœur Rebecca de clôturer. Merci Seigneur de nous avoir amenés dans ta présence. Ramène chacun pour voir nos besoins au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Petit à petit, la communauté s'agrandit. Ainsi est née l'Assemblée évangélique de la Nouvelle Alliance. Selon le verset Jérémie 31:31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Aujourd'hui, dans cette même église, beaucoup de miracles se sont produits. Celles qui étaient stériles ont aujourd'hui des jumelles. Amen. Amen. Amen fort. Amen.